Ces capsules historiques ont été conçues dans le cadre des fêtes du 175e anniversaire de la ville de Saint-Raymond, qui se sont déroulées en 2017. À cause de situations hors de notre contrôle, elles ne vous avaient pas encore été présentées. Elles abordent des sujets de notre passé, notre présent et notre futur. Elles sont composées d'images, de vidéos, d'archives, accompagnées d'entrevues plus récentes enregistrées en 2018 et quelques-unes en 2020. Nous sommes conscients que ces compilations sont loin d'être complètes et que beaucoup de gens auraient pu ajouter du contenu intéressant et pertinent sur ces sujets et bien d'autres. Puisque la ville est en constante évolution, il nous faut clore notre travail de recherche et vous présenter ce que nous avons réalisé à date. Nous espérons que ces capsules sur l'histoire de Saint-Raymond susciteront votre intérêt. Bon visionnement. Merci à CJSS, particulièrement Stéphane Lépine, pour son travail acharné. Saint-Raymond, riche d'histoire, riche d'avenir. J'ai toujours été attirée vers ce qui est bien humain. Et puis quand j'ai fermé la boutique il y a maintenant 18 ans, 2000, j'ai eu un appel du Programme québécois de dépistage cancer du sein pour savoir si ça m'intéressait. Fait que j'ai dit oui tout de suite. J'ai travaillé 17 ans pour le Programme de dépistage cancer du sein dans Portneuf. Et puis si je ne suis pas le plus là, c'est pas parce que je ne voulais pas, c'est que le CIUS a aboli ce poste-là. On était deux animatrices là, pour tout le comté. Puis partout à grandeur de la capitale nationale, ces postes-là ont été abolis. Par contre, le programme de dépistage cancer du sein, il continue. Oui. Hein? Fait que c'est encore plus important de faire Saint-Raymond-Ville-Rose puis pour dire aux femmes, mais là, continuez d'y aller, là, passez vos mammographies. Il y a quand même 40 % de moins de mortalité en 20 ans, là, depuis que le programme existe. Fait que pour revenir à Ville-Rose, c'est à partir de ça où j'étais déjà impliquée dans la cause rose, là, la cause du cancer du sein. En 2012, il y a eu Québec en rose, Québec-Ville-Rose. Donc, ça me touchait, puis j'étais demandé, c'est donc bien extraordinaire. Ça, c'est mettre du rose un petit peu partout dans De l'illumination en rose, mais surtout de donner de l'information aux femmes, puis surtout de ramasser des sous pour le Centre des maladies du sein de Québec qui est à l'hôpital Saint-Sacrement. Fait, comme j'avais toujours été impliquée là-dedans, je me disais, Dieu, ce serait donc bien fun de faire ça, Saint-Raymond. Puis là, Daniel venait de rentrer mère. J'ai dit, j'ai des bonnes connexions, je m'essaye. Ça peut aider. Ça peut aider. Fait que c'est comme ça, là, de fil en aiguille que c'est venu. En 2014, c'est notre cinquième édition cette année. Et puis, j'ai beaucoup, beaucoup d'aide de la ville, entre autres avec Geneviève Fauché, qui est aux communications. Elle a embarqué dans le projet, là. Je crois que c'est le chef d'orchestre de tout ça, là. Elle m'aide beaucoup là-dedans. Il y a des employés de la ville aussi. La ville donne du temps à ses employés pour m'aider. Fait que c'est vraiment le fun. Saint-Raymond-Ville-Rose se veut un élan de solidarité envers toutes les personnes atteintes de cancer du sein et leurs familles. 2020 sera un peu différent, car on ne pourra pas avoir de souper rose. Ce sera donc une campagne virtuelle avec des dons en ligne sur le site de la ville, des vidéos, des capsules de sensibilisation. 2020 est une année où on a pris une pause, une année où on a pris le temps pour réfléchir à l'importance de la santé, à l'importance des vraies valeurs et de les remettre à leur place, leur première place. Pendant la pandémie, le cancer du sein, lui, n'a pas pris de pause. Et c'est pourquoi, encore cette année, Daniel et moi sommes porteurs de lumière au nom de la ville de Saint-Raymond, en votre nom à tous. Les buts de ça, le premier but, c'est sûr que c'est une campagne de financement, c'est pour amasser des sous pour la clinique des maladies du sein. C'est pas la Fondation Cancer du sein du Québec, c'est pas la Fondation Cancer du sein du Canada, qui sont de très, très bonnes fondations,
mais c'est au niveau de la capitale nationale. Pour la recherche, non? Pour la recherche et puis pour le bien-être des femmes qui sont atteintes aussi. Oui. L'année passée, avec ces sous-là, on a eu des machines nouvelles à la fine pointe puis tout ça. Ça, c'était à l'hôpital Saint-Sacrement. Donc, toutes nos femmes, la plupart du comté de Portneuf et de Saint-Raymond, sont soignées là. Okay. Fait que moi, je me disais, ramasser des sous pour vraiment nous autres, plutôt que le donner là, partout au Québec ou partout au Canada. Fait que c'est comme ça que j'ai parti ça. Ça, c'est le but, c'est vraiment d'aider ces femmes-là. Il y a comme, je dirais, trois volets. Le premier, ce serait l'illumination. C'est certain que l'illumination en rose, ça fait penser aux femmes, puis à tout le monde. C'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Quand tu arrives à Saint-Raymond, par la Côte-Joyeuse, que tu vois les deux clochers en rose, celui de l'habitation Saint-Raymond, l'ancien couvent, puis celui de l'église, bien, tu sais, tu dirais, il se passe quelque chose ici. Ouais. Les deux entrées de Saint-Raymond sont en rose maintenant, parce que là, on en a une deuxième. Un petit peu partout, le centre-ville, l'année passée, on avait des gros bouquets avec un gros ruban rose partout. Il y avait des vitrines, les marchands ont participé beaucoup à ça. Puis n'importe qui aussi de la population, là. Tu sais, une petite lumière rose, une petite boucle rose à ta porte, à ta fenêtre, bien, ça fait réfléchir les gens. Bien, c'est certain que le cancer du sein, ça touche tout le monde. Pour ma part, il y a eu la sœur de ma maman qui a eu le cancer du sein il y a une vingtaine d'années. C'était la première fois que moi, j'étais touchée par cette maladie. Ensuite, il y a eu ma belle-maman et une collègue, ma coéquipière de travail, qui avait mon âge environ puis qui a aussi été touchée. Donc, ça touche aussi les jeunes. Le Roquemont a décidé de faire toute l'image de marque de sa bière aux avis autour de cette belle cause. Donc, même pour le nom, Rosa pour la fleur, la couleur, la féminité d'une femme et le prénom, la vie pour les femmes qui et leur donner l'espoir de la vie pour qu'elles vainquent le cancer du sein. C'est pas facile. Puis en plus, c'est une démarche personnelle, mais en plus, c'est très personnel, nos seins. Hein? C'est pas comme venir parler d'un doigt hein, ou parler de nos pieds. Là. Ça a quelque chose de très féminin, de très sensible. Puis oui, dans la salle, là, on a beau être trop 300, là, t'entends rien. Quand un témoignage, les femmes écoutent, et puis on rit, on pleure aussi, c'est touchant. Mais toute cette partie-là du souper finit ensuite par, je dirais, un hymne à la vie. Là, ouais. Là on fête, et puis oui, parce que on a la preuve vivante par les femmes qui nous font des témoignages qu'on peut s'en sortir. Moi, c'est Marianne Robitaille. Je suis présentement suivie en oncogénétique au Centre des maladies du sein du Québec. Ça a commencé avec un diagnostic de cancer du sein chez ma mère. Puis souvent, quand il y a un diagnostic qui est émis, il y a comme une espèce d'arbre généalogique qui est fait de la présence du cancer dans la famille. Puis ce qui a été décelé, c'est qu'il y en a, c'est omniprésent là, de la famille du côté maternel de ma mère. Donc, ma mère, sa mère à elle, a eu le cancer du sein. 4 de ses sœurs aussi l'ont eu. Puis 6 des cousines de ma mère aussi. Ça, c'est juste du côté maternel. C'est pas très beau du côté paternel non plus, mais ils sont concentrés sur ce tableau-là. Puis quand c'est aussi présent, mais ce qu'ils suggèrent souvent aux enfants, c'est d'avoir un suivi en oncogénétique, puis même jusqu'à déceler s'il y a présence d'une mutation de gène. C'est ça, c'est pas tout de le savoir qu'on a une prédisposition puis plus à risque que quelqu'un d'autre de développer un cancer du sein. Ce que ça implique, bien, c'est au contraire, c'est très positif, c'est d'avoir un suivi rigoureux. On a des examens à chaque année, mammographie, IRM des seins, tout ça. Donc, s'il y a quelque chose, ça va être décelé super rapidement, puis l'intervention va être rapide, s'il y a des mesures à prendre. Donc, c'est un très beau privilège qu'on a. C'est sûr que pour certaines personnes, ça peut être anxiogène de savoir que, bon, j'ai plus de chances de le développer, mais au contraire, en ayant un suivi aussi serré, s'il y avait quelque chose à voir, ben, on va le savoir rapidement, puis ça va être pris en charge rapidement aussi. C'est tellement important comme... ça touche beaucoup de gens, puis plus la recherche est avancée, plus les services sont présents, bien plus justement ça peut être pris en charge rapidement, puis on peut limiter les dommages aussi. Quand j'ai commencé, moi, à travailler là, pour la santé des seins, c'était pas du tout pareil. Le programme, quand ils l'ont établi, on s'est dit, ce qu'on veut, c'est de baisser le taux de mortalité d'au moins 20 % puis d'améliorer les suivis des femmes en clinique, puis tout ça.
Mais là, on a baissé de 40 % en 20 ans. Oui, c'est ça. T'sais, fait qu'on peut penser vraiment, puis moi, je vois la vie en rose, c'est vrai, là, qu'un jour, il n'y en aura pas. Il n'y en aura plus. On n'en mourra pas.